Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 4 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de cette journée du mardi 4 avril 2023. Et nous avons la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors, la maison 8, c'est la maison qui est rattachée à l'énergie scorpion, mais c'est aussi une maison qui, en tout cas en astrologie, qui nous montre comment est-ce qu'on arrive à effectivement à transformer les choses, à changer, à peut-être être dans ces notions justement d'évolution, hein, dans ce processus d'évolution qui passe par des transformations, par parfois effectivement des prises de décision assez fortes, assez profondes, ou alors des situations qu'on va traverser, hein, dans la vie et qui nous poussent à évoluer, changer, peut-être même à nous transformer de façon un peu plus radicale parfois, ça dépend. Voilà. Donc là, on nous parle effectivement de notre capacité à nous transformer, à changer des choses. Peut-être des choses qui sont profondes aussi, hein. Ça peut être en lien avec nos émotions, avec des blessures, ça peut être en lien aussi avec des choses voilà, où on ne veut plus subir, on ne veut plus... Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter parfois. Parce qu'on a changé, on a évolué, on n'est plus les mêmes personnes. Et cette énergie-là, elle nous pousse justement parfois à prendre des risques, oser en tout cas se mettre en avant, oser couper des liens, oser affronter un petit peu je dirais des défis, des obstacles comme ça pour pouvoir justement eh bien, se transformer et pourquoi pas se transformer en magnifique papillon. Bien évidemment, la transformation, c'est surtout ça, hein. C'est dans le but de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, la maison 8 pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour ce mardi 4 avril. Donc, on a la capacité de se transformer ou de transformer quelque chose, hein, pour cette journée. Oh, bon, on nous parle de notre vie relationnelle. On nous parle de notre vie relationnelle, notre rapport à l'autre, peut-être nos engagements aussi. La 2 de coupe ici qui nous parle d'union spirituelle, nous parle effectivement d'harmonie, d'être lié, hein, d'une façon ou d'une autre à une personne, émotionnellement, sentimentalement, pourquoi pas aussi. Mais ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. En tout cas, on sent qu'il y a un lien particulier ici qui est mis en avant. Et là, on sent qu'il y a des choses qui doivent bouger. Transformation, ça peut être soit accepter que certains liens doivent se terminer, soit accepter que certaines relations, au contraire, doivent évoluer ensemble, doivent changer quelque chose dans le quotidien. Bref, il y a quelque chose qui est en lien avec notre façon de vivre peut-être le couple ou le lien à deux. Alors ici, on a la 8 de coupe qui nous parle de retrait affectif. Vous voyez, il y a un besoin de s'éloigner de quelque chose. Il y a un besoin de s'éloigner d'une relation, hein, voilà, qui émotionnellement peut nous déstabiliser. On sent qu'il y a des choses qui bougent. Alors pour certains, c'est soit vous êtes en pleine rupture, soit c'est vous qui décidez de rompre, ou soit c'est votre partenaire, peu importe. Soit c'est un besoin de prendre du recul parce que vous vous rendez compte qu'il y a des relations qui sont toxiques autour de vous, des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Bref, en tout cas, on sent que ça prend de la place pour cette journée, peut-être parce qu'on va beaucoup y penser, ou qu'on va travailler sur le lien à deux, sur la notion d'engagement également, hein. La 2 de coupe, ça peut nous parler aussi d'union, mais d'engagement dans un contrat, dans quelque chose qui effectivement nous lie, hein, d'une certaine façon. Donc voyez comment ça résonne, hein, par rapport à ce que vous vivez. Mais on sent qu'avec la 8 de coupe, il y a une envie d'autre chose. Il y a une envie d'ailleurs. Il y a une envie de... peut-être de changer la vision que l'on a d'une relation, ou effectivement changer peut-être quelque chose dans notre façon de vivre une relation. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle Béline. Alors, pour ce mardi 4 avril.
Ouais. Bon, bah, c'est confirmé, on nous parle bien d'union, hein. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Bon, pour moi, on est vraiment sur la relation à deux, sur les engagements avec une personne. Ça peut être, bon, bah, comme je vous disais, amical, familial, sentimental, bien évidemment. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais avec la maison 8, on est sur un processus de transformation. Donc, il y a quelque chose qui doit évoluer, changer, bouger, soit par des ruptures, soit par des prises de décision qui font que la relation va évoluer dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est à vous de voir où vous en êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment le sujet prédominant effectivement de cette journée. On nous parle ici d'inconstance qui nous parle effectivement des doutes qu'on peut nourrir, ou des incertitudes, ou des défaillances, des choses qui font qu'on ne se sent pas en sécurité. C'est une relation peut-être instable. Alors, soit parce que vous vivez une relation où vous avez vraiment besoin d'en savoir plus, vous savez, des fois on a besoin que la relation passe à un palier supérieur pour être quelque part, pour avoir un niveau d'engagement, un niveau de sécurité émotionnelle, ou je sais pas moi, par rapport à des projets, par rapport à des envies, on a besoin que les choses se stabilisent. Là, on voit bien qu'il y a une relation qui n'est pas stabilisée, qui est dans un peu bancale, où il y a peut-être pas mal de doutes, il y a peut-être pas mal d'incertitudes, et c'est ça qui pose un petit peu problème. Donc là, pour cette journée, on aura envie peut-être effectivement de chercher à faire bouger les choses pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce mardi 4 avril. Rien ne vaut son chez-soi, ici qui nous parle effectivement de rapport à soi, de rapport à son sentiment de sécurité, à son cocon. Ça peut être en lien aussi avec le lieu de vie. Hein, peut-être que pour certains, voilà, je sais pas moi, vous voyez que vous êtes en relation avec quelqu'un, et puis vous aimeriez peut-être construire quelque chose, vivre ensemble, vous voyez, les choses comme ça, avoir un projet en commun, et puis vous vous rendez compte que bon, bah, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de doutes, vous n'êtes pas forcément sûr, soit de votre engagement, soit de l'engagement de l'autre. Donc du coup, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on va chercher à vouloir faire évoluer une relation dans quelque chose de plus concret, ou alors on va chercher à s'éloigner des troubles ou des difficultés justement que peut connaître la relation pour le moment. Rien ne vaut son chez-soi, c'est aussi peut-être un moment d'introspection, un moment où on va avoir besoin justement de s'éloigner, de faire le point, de réfléchir justement à: est-ce qu'on donne suite à cette relation ou pas? Où est-ce qu'on en est dans nos émotions? Qu'est-ce qu'on ressent? Voyez, c'est le côté, j'ai besoin de prendre du temps pour moi pour savoir où j'en suis. Oui. Oui, parce que c'est une période de transition, en fait, hein. Entre les mondes, c'est ça, hein. C'est-à-dire que, ok, on a besoin de laisser le passé derrière soi, on a besoin d'avancer vers quelque chose de lumineux. Alors, ça peut être au travers de certains projets ou de certaines idées qu'on a envie de mettre en place. On s'aperçoit qu'au sein d'une relation, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, c'est pour ça qu'il y a un sentiment de doute, de déséquilibre qui est pas forcément évident. Et du coup, là, on sent on est appelé à avancer. On est appelé vers une quête de mieux-être, vers une quête plus lumineuse. Et on va plus trop avoir envie de faire des efforts pour des relations qui n'évoluent plus ou qui ne nous correspondent plus de façon générale. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder du côté de notre énergie d'action. Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Hop là. L'ego, ah aïe aïe aïe. Bon bah l'ego. L'ego, c'est effectivement notre posture, notre personnalité. C'est le moi-je, par exemple. Hein. C'est voilà, comment est-ce qu'on voit les choses d'un point de vue personnel, hein, c'est nous. Et là, on a le partage équitable, équité, le partage chiffre 11, qui parle aussi de justesse dans la notion de partage. Est-ce qu'on vit des relations suffisamment justes? Suffisamment dans le donner et recevoir, suffisamment équitable. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on pourrait vraiment se pencher sur des questions très très personnelles, où on pourrait se dire, oui, mais si moi je donne, si moi je fais, si moi je m'engage, est-ce que l'autre s'engagera à la hauteur? Est-ce que l'autre sera me rendre la pareille? Voyez, il y a vraiment cette question-là qui peut être mise en avant pour cette journée. Il peut y avoir aussi un besoin de réclamer justice s'il y a eu effectivement un sentiment d'injustice. Donc attention quand même au conflit. On va voir avec le tarot. Avec le Crystal Vision Tarot. Donc énergie d'action et activité. Donc on est centré sur soi, sur ses besoins peut-être aussi, sur cette notion d'équilibre qu'on va chercher à avoir au sein de nos relations,
ou peut-être de nos engagements. Et là, on a le page de Pentacle qui propose... Alors, ce page de Pentacle... Oh, c'est très intéressant. Ce page de Pentacle, il propose quelque chose de nouveau. Dans notre façon de faire au quotidien, dans notre façon d'être, peut-être dans notre organisation du temps, dans notre organisation, voilà, dans notre emploi du temps, dans notre façon de faire, de façon de vivre, peut-être aussi nos engagements, une relation. Là, le page de Pentacle, c'est quelque chose de très pragmatique, hein, par rapport à notre gestion, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que concrètement est-ce qu'on fait des choses, dans quoi est-ce qu'on s'investit, enfin bref, là on nous parle d'une nouvelle façon de faire quelque chose, hein, voilà. Et puis là on a l'as de coupe, alors c'est intéressant, l'as de coupe nous parle de nos émotions, nous parle d'un possible nouveau départ sur le plan émotionnel, donc peut-être que pour certains il peut être question ici d'un nouvel engagement envers quelqu'un qu'on découvre, que l'on ne connaît pas encore, donc il peut y avoir pas mal de doutes et d'incertitudes, parce que est-ce qu'on se projette suffisamment, oui ou non, est-ce qu'on est vraiment dans cette notion de vivre ensemble, ou d'être vraiment dans le chez soi, est-ce qu'on se sent suffisamment à l'aise, est-ce qu'on se sent suffisamment bien dans tel ou tel engagement, dans telle ou telle relation, hein, voyez, donc ça c'est des questions vraiment qui peuvent vraiment nous tracasser pour cette journée, mais on a quand même un soutien au niveau ici du tarot, hein, on voit bien qu'on a un soutien sur les énergies qui nous invitent à croire en nos rêves. L'étoile, la foi, l'espoir, on nous invite en tout cas à rêver et surtout à nous diriger vers ce qui nous fait vibrer le cœur. Hein. Donc si on a vraiment des sentiments, des émotions qui remontent par rapport à quelqu'un en particulier ici, oui, on a vraiment envie que les choses ou que la relation se transforme, c'est-à-dire évolue d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, en tout cas, en fait, qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer. Ok. Et là, on a le page de bâton, donc on est vraiment sur des nouvelles énergies, sur des nouveaux départs. Page de Pentacle nous parle de notre façon concrète de vivre peut-être un engagement, une relation, quelque chose. Donc là, on pourrait, je sais pas moi, on pourrait chercher à discuter, à négocier quelque chose ici de façon très concrète en disant, bon ben voilà, moi je m'engage à faire comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que toi, tu t'engages à être toi aussi comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde, en fait. C'est ça, la recherche de l'harmonie, hein, ici, la recherche d'un nouvel équilibre dans une relation, dans un engagement. Ça, c'est le but de cette journée. Et puis le page de bâton, lui, il va avoir envie, ben peut-être de prendre des initiatives, d'être un peu plus audacieux justement pour pouvoir avoir le courage d'exprimer ben peut-être ce que l'on ressent, notre couple ici, nos sentiments, nos émotions. Donc pour certains, ça peut être hein, par exemple le désir de se mettre en avant, l'ego, de se mettre en avant, de prendre des initiatives pour cette journée pour parler de quelque chose d'important, un engagement sérieux, peut-être voilà si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou en tête, eh bien, vous lancez à oser exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir savoir s'il y a moyen de construire ou bâtir quelque chose. Ou s'il y a moyen de trouver un juste équilibre, un juste compromis dans ce que l'on souhaite mettre en place. Oui, parce qu'on voit bien que là, c'est plus possible. La 2 de Pentacle nous parle bien de quelque chose qui est instable. Et c'est pas confortable ici, visiblement. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui nous convient pas. Donc on va avoir envie de mettre des choses au clair justement pour qu'on puisse partir sur des bases beaucoup plus solides. Hein, voilà. Ok. Compromis, conciliation, allez on y va, on met les choses sur la table, on propose et puis on voit comment les choses peuvent évoluer. Mais en tout cas, il y a un désir d'évolution au sein d'une relation, de nos engagements qui doivent être pris en compte pour cette journée. Donc sur le plan relationnel du coup, on va regarder ça plus en détail. La sensibilité, oui. Ah ah, on a les imprévus, intéressant. Bon bah là, on sera connecté à nos émotions. La sensibilité, c'est ça, on va être vraiment connecté à ce qu'on ressent, on va peut-être avoir envie de l'exprimer. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. D'accord. Donc sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du mardi 4 avril... Alors attention, la 7 de bâton, on pourrait être un petit peu sur la défensive, hein, comme ce personnage-là qui se sent prêt à se défendre, qui se sent prêt aussi à répliquer. Ok, c'est bien hein, de défendre nos valeurs, de défendre ce en quoi on croit, de poser ses propres limites, c'est très bien. Mais, attention quand même, parce qu'avec la sensibilité, on pourrait se sentir un peu plus sensible du coup, et d'être un peu plus...
susceptible peut-être aussi, et du coup être vraiment sur la défensive. Je le sens vraiment comme ça avec cette 7 de bâton. Comme si on allait s'attendre au pire et être un peu sur la défensive. On pourrait être un peu agressif, enfin agressif. Ouais, je dirais on pourrait se méfier, hein, parce que la 7 d'épée, c'est vraiment... Ça peut être quelqu'un ici qui manque de clarté, d'authenticité, de vérité. Alors, soit quelqu'un en face de soi, c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes et des craintes aussi, hein, c'est possible. Ou soit nous, on n'est pas forcément totalement honnête face à l'autre. Donc là, il y a un besoin de mettre de la clarté sur cette 7 d'épée, parce que la 7 d'épée, c'est vraiment... c'est pas une énergie très, très, très agréable, surtout quand on est dans les doutes, surtout quand on est dans la... Comment je pourrais dire ça? Quand on imagine des choses qui... Voilà, on ne sait pas si c'est réel ou pas. On a l'impression, en tout cas, qu'on nous cache des choses. On a l'impression que les choses sont pas forcément authentiques, vraies, sincères. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'on pourrait se sentir un petit peu plus sur la défensive par rapport à ce qu'on pourrait nous cacher, par rapport à ce qu'on pourrait nous... Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'imprévu. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Hein. C'est bien la carte de la surprise. Cette carte-là nous parle de surprise, bonne ou mauvaise. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui va être mis en lumière. Moi, j'ai le sentiment ici que, effectivement, ce qu'on a pu nous cacher ou ce qu'on pourrait nous cacher pourrait être révélé et ça pourrait effectivement nous toucher, hein, émotionnellement. Ok. Ça pourrait nous toucher, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cette 3 de pentacle. Et cette 3 de pentacle nous parle d'ouverture. D'engagement concret, justement, puisque là on est sur les relations, sur les engagements, sur les promesses, sur les choses comme ça. Et là, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas forcément été dites, qui n'ont pas forcément été exprimées, hein, peut-être des deux côtés d'ailleurs, hein, d'une relation, c'est fort possible. Et du coup, boum, il y a un événement durant cette journée qui nous pousse à la discussion ou qui nous pousse justement à la conciliation ou à chercher à aller plus loin. Le but, c'est vraiment, la 3 de Pentacle, c'est vraiment le but, c'est de construire quelque chose ensemble, de mettre nos compétences en commun pour pouvoir construire quelque chose. Donc moi, je me demande si ça pourrait pas correspondre à un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être un déménagement, un emménagement, l'idée de vivre ensemble ou l'idée de construire quelque chose ensemble. Ça peut être avoir un enfant, par exemple. Mais d'abord, on a besoin d'éclaircir les zones d'ombre, mais le côté inattendu de cette journée. Hein, on a vu qu'on avait la carte des imprévus, donc il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui fait surface et qui peut nous montrer ou qui nous pousse aussi à exprimer ce que l'on gardait pour soi. C'est possible aussi, pour qu'on puisse justement avancer vers quelque chose de plus lumineux. Oui. C'est, en fait, je pense que l'univers peut nous bousculer un petit peu dans nos émotions, dans ce que l'on ressent, pour qu'on puisse mettre les choses au clair. Là, il va falloir mettre les choses au clair. Voilà. Et en même temps, exprimer ce que l'on garde pour soi aussi. Voilà, pour que les choses soient... Voilà, on repart sur des bases plus solides. Et en même temps, on arrive à dépasser ses peurs. La peur que ça ne marche pas, la peur de ce que l'autre va penser, la peur que, je sais pas, que ce que les choses soient pas justes, voyez, ou que l'on nous cache des choses. Là, on va éclaircir tout ça. C'est une journée vraiment où, boum, voilà. Les choses vont être mises en avant, les unions, les engagements, les promesses, les choses comme ça, pour qu'on puisse vraiment être au clair avec soi-même et avec l'autre, et que l'autre soit clair avec nous. Voilà, donc là, il y a vraiment ce retour plus juste, finalement, qui va nous montrer là où on en est, pour qu'on puisse vraiment se positionner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc, pour cette journée du mardi 4. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, quelque chose à négocier pour cette journée, hein, on est aussi là-dessus, sur les conciliations, les négociations, pour pouvoir aussi trouver un juste milieu, pour pouvoir avancer, évoluer. Si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, un prêt à négocier, quelque chose comme ça, qui peut concerner le foyer d'ailleurs, la maison, ou des choses comme ça, ok, alors on y va. Mais pour ça, il va falloir se mettre au clair, il va falloir dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, surtout ne pas garder les choses pour soi, pour vraiment que les choses soient limpides et pour pouvoir tomber sur quelque chose de plus constructif. Un accord qui pourrait être ben, plus juste, en fait, voilà. Ouh, très bien. 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique.
Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bim! Bingo! Ouais, le caractère imprévisible de cette journée peut être un peu, je dirais un petit peu bousculante, mais elle va nous permettre d'avancer. Voilà, il faut qu'on avance dans notre vie relationnelle ou dans nos engagements ou dans les contrats pour qu'on puisse vraiment solidifier, clarifier les choses et que ça devienne... voilà. En plus, on a vraiment, avec la 6 de l'action, 6 de bâton, c'est vraiment l'aboutissement. C'est, voilà, il y a une réussite, il y a quelque chose qui fonctionne bien, il y a un retour positif par rapport à nos démarches, par rapport à quelque chose. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Même si sur le coup, ça peut nous titiller un petit peu l'ego. Mais voilà, c'est pas grave, on y va et puis les choses vont bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.